Et salut à tous et à toutes, salut les gamers, c'est Zorxy de la Face Family. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Snowy Iceland. Et je me rappelle plus très très bien où on en était. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo pour la chaîne principale. Parce que j'étais un petit peu fatigué de faire autant de vidéos. Le rythme que j'avais était beaucoup trop soutenu. Je vais essayer toujours de vous en faire, mais... avec plus de régularité et puis avec plus ça va être plus précis. Je vais bientôt avoir mon nouveau PC, donc je vais vous faire des vidéos bien sûr sur plein d'autres jeux genre Portal. On va voir, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres jeux que Minecraft, mais de toute façon il y aura du Minecraft et du Call of, donc voilà, ce sera une chaîne bien orientée sur le Minecraft et le Call of. Est-ce que j'ai à bouffer là-dedans? Oui. Oula. Oh, j'avais pas mal de choses quand même. Je me rappelle plus. Pardon. Je me rappelle plus du tout, du tout, du tout. Ok, de tout ce que j'avais. Mais j'ai l'impression que j'ai pas mal de trucs quand même. J'ai appris pas mal de choses par rapport à Minecraft entre temps. Parce que vous avez pu voir quand même que ça fait très 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 longtemps que j'ai plus fait de vidéos. Donc, entre temps, j'ai pu apprendre des choses sur Minecraft. Par exemple, maintenant, ça j'ai appris par moi-même. Mais maintenant, on fait un clic droit, on fait comme ça. Et ça met tous les bâtons directement alignés. Donc ça, c'est pas mal. Pof. Voilà, donc une petite épée en fer, on va se faire... Est-ce qu'on s'en fait une? Est-ce qu'on s'en fait deux? J'ai pas d'armure, donc je pense que je vais m'en faire qu'une seule. Par contre, il me faut absolument une deuxième pioche en fer. Donc voilà. Pioche en fer, épée en fer. On va se faire un petit plastron, pas un casque. Un casque, ça sert particulièrement à rien. Un petit plastron. Des jambières. Et... Ah bah je crois que j'aurai de quoi tout faire. Donc pourquoi pas tout directement. Hop, pof, pof. J'en ai mis un trop. Voilà. Et j'ai le luxe pour me faire encore une épée. Et je vais en avoir besoin. Juste, je vais vérifier rapidement quelque chose. Donc, je pose ça. Poum, 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 poum. Voilà. Je peux poser ça le temps qu'on parte dans les grottes. J'ai peur de le perdre. C'est bon. Donc, je pose ça, je pose ça. Je vais prendre mes torches. Prendre ça. On va se refaire des torches rapidement. Voilà. On va se refaire rapidement des petites torches. Pof, pof, pof. Ok, d'accord, il reste un cube, le truc. Vous savez, à chaque fois, il vous reste un cube. Vous savez pas quoi en foutre de ce cube. À chaque fois, il vous reste ce cube dans la main. C'est pas grave, on s'en servira. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air pas mal. Génial. Génial, génial. Bon, attendez. Oula, j'entends du zombie, c'est ce que j'allais vérifier. Option, je suis en facile normal. J'entends du zombie. De retour. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça. On va faire ça rapidement. Enfin, je l'espère. Donc, je suis désolé s'il y a des petits lags. Je vais d'ailleurs fermer une fenêtre. Voilà, ça laggera peut-être un petit peu moins. Je suis désolé si j'ai des petits lags. J'ai pas encore reçu mon ordinateur. Je vais tout recevoir par pièce dans... What? Ouais, c'est ça, ouais. Ma prépare surprise... Quelle épée, celle-là. Meurs. Voilà. Par contre, vu que je joue en snapshot, donc vous pouvez voir en haut à gauche, Minecraft 1.5. Donc je joue en snapshot, c'est une pré-release de la 1.5. Oui, c'est ça. J'étais plus sûr de ce que je disais. Donc c'est une pré-release de la 1.5. Et les mobs, en fait, sont beaucoup plus agressifs. Ils vous font beaucoup plus mal. En un seul coup, ils vous font plus mal qu'avant. Avant, c'était un petit peu aléatoire. Maintenant, ils vous font très mal d'un coup. Moi qui adorais les mobs, je vais les aimer deux fois plus, hein. N'est-ce pas? Donc, voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de petits fails pendant cette série. Je sais pas si je vais continuer cette série parce que j'avais fait ça parce que j'étais en manque, j'avais envie de faire des vidéos et puis j'ai fait cette série. Mais entre temps j'ai pensé à plein d'autres concepts génial pour
pour la chaîne, pour vous qui vous intéresserez un petit peu plus, je pense, je vais bientôt ouvrir peut-être un petit serveur, pourquoi pas, un petit serveur dédié. Non, je ne crierai pas. Si vous voulez comprendre pourquoi j'ai dit non, je ne crierai pas. Par contre, je crois que les mobs sont plus passifs qu'avant. Je crois qu'ils sont beaucoup plus passifs qu'avant. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai dit non, je ne crierai pas, vous pouvez aller directement voir. Je sais pas si ce sera sorti quand je posterai cette vidéo, ce sera sûrement pas sorti. Mais je suis en train de préparer un petit bêtisier. Pas mal. Et voilà, donc. Il y a pas mal de petites déconnades entre Heroes et moi sur chacune de mes vidéos, autant en off pour les vidéos que je me suis dit tiens je vais la poster et qu'au final j'ai jamais posté, donc autant off d'épisodes que j'ai fait. Par exemple, il y a un off de l'épisode 6 qu'on avait dû refaire plusieurs fois parce qu'on était mort de rire. Il y a pas mal de petits trucs comme ça que je posterai dans le petit bêtisier que je suis en train de vous préparer. Et ça me fera tout simplement super plaisir de pouvoir partager ce petit bêtisier avec vous. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure? Il fait des pioches. Voilà. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est si vous voulez, par exemple, vous avez de la pierre un peu partout, vous faites un triple clic. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc 1, 2, 3. Et ça stack tout d'un seul coup. Donc c'est pas mal. Ça vous stack tout en 64. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je suis en train de me préparer à aller vers la Bedrock. Vous allez me dire, oh non, il va pas aller jusqu'à la Bedrock, il va pas nous faire un minage au petit comme tous les youtubeurs nous font. Et ben, je vous assure que si, je vais vous le faire. Juste attendez que je capte. Ah ben, oh, vous inquiétez pas, vous savez quoi? 14, 15, 12, voilà, 12 et 11. Et voilà, le minage au petit est par ici. Donc, voilà, vous avez vu, c'est pas allé super. Ça n'a pas duré super longtemps. Hein. Je voulais creuser jusqu'à la bedrock, mais ça sert à rien en fait, la bedrock. Mais voilà. On l'a trouvé rapidement. Donc, je vais récolter un petit peu de charbon. Vous allez me dire, mais arrête de récolter le charbon, ça sert à rien. Et ben moi, en fait, ça me sert à faire de l'XP. Et ça me sert aussi et ben, à pouvoir faire cuire ma bouffe. Hein, parce que je suis pas comme tous les youtubeurs. Hein. Moi, je fais ma chaîne YouTube parce que j'ai la passion de faire des vidéos. Mais voilà. Hein. Si j'ai envie de faire un truc, voilà, c'est ma chaîne, enfin, c'est votre chaîne aussi, mais j'estime que c'est quand même en grande partie ma chaîne. Et je fais ce que je veux, voilà, tout simplement. Et par contre, j'arrive plus à avancer, voilà. J'appuie sur A pour avancer, forcément, c'était pas bon, vu que moi, pour moi, A, c'est pour m'accroupir. Parce que oui, je joue en... Alors, très peu de youtubeurs le font, et pourtant, très... Très plus de youtubeurs, oh oui Thomas, pourquoi pas. Plus de youtubeurs devraient le faire parce que je trouve que c'est vraiment agréable. Je joue tout simplement en FOV. Vous pouvez voir ici, mon champ de vision est à 90. Ce qui me permet d'avoir une vue FPS en fait. C'est un petit peu comme sur du Call of. Donc c'est plus facile pour moi qui ai l'habitude des FPS, etc. C'est beaucoup plus facile pour moi pour me repérer dans Minecraft, et si j'ai des creepers ou des squelettes ou des mobs qui m'arrivent par derrière, je peux les voir beaucoup plus rapidement. Et je trouve ça quand même assez bien. Il n'y a pas longtemps, j'enchaîne bien sûr les sujets, je suis désolé si vous n'arrivez pas à me suivre, mais j'enchaîne un petit peu les sujets. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un pack de textures que j'ai ensuite enlevé. Si ça venait du feature x32, c'est un texture pack de base que chaque youtubeur modifie un petit peu. J'avais essayé de le modifier parce qu'il manquait pas mal de trucs, genre les boussoles et les horloges qui étaient erronées. Et au final, j'ai fait bugger totalement le pack de texture et je m'en étais pas aperçu. Donc, je l'ai retiré très rapidement du téléchargement sur la chaîne, sur ma chaîne principale qui est FastZorxy, je le rappelle, parce que beaucoup de gens croient que cette chaîne sur laquelle vous regardez la vidéo en ce moment, donc qui est la chaîne Fast de Family, donc Fast to Family, est la chaîne de ma team. Je suis leader de la team Fast Family. Et vu que pour l'instant on est en train de préparer quelque chose pour la team, je ne peux. Enfin, pas moi, mais les gamers de ma team n'ont pas encore d'HDPVR et pas encore d'ordi pour pouvoir poster
des vidéos. Donc tout simplement, je suis le seul à faire des vidéos sur la chaîne, mais ça n'est pas du tout ma chaîne, il faut le savoir. C'est pour ça que en ce moment, j'attends d'avoir mon nouveau PC, parce que quand j'aurai mon nouveau PC, je serai beaucoup plus libre. Parce que là, j'ai le PC de ma mère pour faire des vidéos, donc... Alors, attendez, 1, 2 et 3. J'ai le PC de ma mère pour faire des vidéos et c'est pas vraiment, vraiment génial. C'est un très bon PC. Un Sony Wayo, je ne fais pas du tout de pub, mais voilà, c'est pour vous dire que Sony font vraiment de très, très, très bons PC. Il tient très, très bien. C'est 3 Go de RAM, mais bon. Voilà, j'ai 3 Go de RAM. Vous pouvez voir que je tourne à 20 FPS, mais j'enregistre la vidéo en 30 FPS. Donc, ça suffit pas. 20 FPS pour. Pour ce que je veux faire sur ma chaîne YouTube, je veux vous poster la meilleure qualité de vidéo et je ne peux plus. Parce que bah, je n'ai plus de PC à moi, donc je suis obligé de faire attention avec le PC de ma mère. Parce que, enfin, attention entre parenthèses, je peux pas faire ce que je veux parce que si ça lui ralentit, bah, elle va pas être contente, c'est normal et je la comprends. Mais dès que j'aurai mon PC, je vais être beaucoup plus libre, je vais faire beaucoup plus de vidéos très très intéressantes. Et à force de lancer des sujets, je me suis totalement perdu dans ce que je vous disais, c'est pas très grave. On va aller récolter la redstone, hein. On est passé à côté. Donc voilà. On va récupérer un petit peu la redstone. Pof. Il n'y aurait pas du diamant caché à côté? Un petit diamant. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir du jams. Parce que j'ai envie de faire un jukebox. Voilà, tout simplement. J'ai une grosse envie, c'est de faire un jukebox. Donc, vous allez me dire, mais ça sert à rien, mais t'es un gros noobie. Non, je veux un jukebox. Donc voilà, je vais me faire un jukebox. Actuellement, je travaille. Vous allez me dire, mais oui, mais bien sûr, Thomas, mais tu crois au Père Noël. Mais non, je ne crois pas au Père Noël. Je suis en train de faire, je sais pas si vous connaissez. V2F, c'est un youtubeur très connu ou pas, mais qui est quand même pas mal connu, qui est passé plusieurs fois sur Code QG. Et c'est un youtubeur qui en a marre de la map sur laquelle il était. Et il a donné la map Minecraft à télécharger. Il a dit, vous faites ce que vous voulez dessus. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la map de V2F. Je la mettrai peut-être à télécharger si V2F m'autorise à la mettre à télécharger au public. Mais je suis en train de faire la map de V2F en espérant un tout petit peu d'aide de sa part pour monter mes abonnés, ouais, et aussi beaucoup d'aide de votre part pour montrer mes pour monter mes abonnés, parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai que 52 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Et ben ça, c'est pas pour l'argent, moi, que je suis sur YouTube. D'ailleurs, mes vidéos ne sont plus monétisé. Vous pouvez voir qu'au début des vidéos, il n'y a plus les annonces qu'il y avait avant. J'avais mis des annonces pour monétiser mes vidéos. J'ai enlevé ces annonces parce que je fais vraiment YouTube, c'est vraiment ma passion. Et j'aime tellement faire des vidéos que je voilà, c'est j'ai pas besoin d'avoir des sous pas de YouTube pour continuer à faire mes vidéos. Voilà, c'est juste que j'aime faire ça et je continuerai à faire ça pour ma passion. Donc j'ai désactivé tous mes revenus. Je ne veux plus, je ne veux plus. Enfin, pour l'instant, hein, après, peut-être qu'après je passerai, et si j'ai la chance un jour de passer le partenariat YouTube pour pouvoir gagner des sous, je vous en ferai profiter énormément, et à ma team aussi bien sûr, parce que on n'a pas beaucoup de revenus, et avoir du triton, etc. Ce serait juste génial pour la team, parce que moi j'ai un triton, mais bon, beaucoup de gens dans la team n'ont rien, ont juste une PS3 et un ordinateur juste pour pouvoir parler avec nous. Et j'aimerais beaucoup pouvoir les aider si je le peux, dès que je vais pouvoir, je les aiderai. Là pour l'instant je ne peux pas. Donc peut-être que si j'étais partenaire YouTube, avec les sous du partenariat, j'achèterai des choses pour vous en faisant des concours, beaucoup de concours, parce que j'estime que c'est vous qui m'aidez à réaliser ça, vous qui regardez mes vidéos, vous qui laissez des commentaires, vous qui mettez des j'aime, c'est vous qui m'aidez à faire tout ça. Donc je veux vraiment vous remercier au maximum et le mieux possible. Donc en vous faisant des petits concours assez sympas, avec des petits trucs à gagner, des points PSN pour ceux qui ont la PS3, et puis je verrai avec pour ceux qui. Oh, mais c'est génial ça. Normalement, il y a du diamant par là. Non, mais il y a du fer. Mais c'est rigolo parce que j'ai vu un minerai de diamant en passant. Bon, c'est pas du cheat, c'est juste que mon
Le pack de texture de la pré-release 1.5 et mon ordinateur qui est pas super puissant, du coup le pack de texture bug un petit peu. Donc je vois à travers, je sais par exemple où il y a de la lave, et là je peux vous dire que par ici, en direction de par là, il y a du diamant. Donc parce qu'on voit en fait des petites traces bleues ou du diamant ou de l'eau. Plutôt de l'eau, je pense. Mais voilà. Donc j'étais en train de vous parler de ce que j'allais faire de ce que je gagnerais si un jour je gagne, bien sûr, parce que c'est pas dit. Waouh, 3 FPS, génial. Si un jour je gagne des sous sur YouTube, ce sera entièrement pour vous en faire profiter. Et voilà, je pense que c'est beaucoup plus honnête de faire comme ça que d'utiliser tout pour moi et rien donner pour mes abonnés sur ma chaîne qui m'aident tellement. Donc vous voyez, je vous disais que je voyais de l'eau. Voilà, où était l'eau? Trouver une petite caverne pas mal sympa. On va récolter ce qui nous manque en fer. Et puis après, on va faire des pioches en fer. Parce que au final, ben, je croyais que ça allait pas être trop rentable par rapport au fer. Et ça l'a été. J'ai trouvé plus de fer que ce que j'en ai dépensé. Donc, maintenant, full stuff fer. Donc voilà, on va récupérer toujours le charbon. Fidèle à mon petit charbon. Voilà, on va récolter encore un petit peu de fer. Enfin, récolter, miner un petit peu de fer. Donc voilà. On va mettre. Ah non! Putain, vous voyez pourquoi? Pourquoi je vous dis qu'on va mettre beaucoup de sous pour la team? Parce que voilà, on n'a pas de PC et je suis à 16 FPS à cause de l'eau. Vous imaginez? De l'eau dans Minecraft. Le truc le plus courant. 16 FPS à cause de l'eau. Oh là 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 là. Pauvre France. Donc, voilà. Voilà. Et voilà, en sautant comme un petit cabri, je crois que j'ai vu de la lave par ici. Qui dit lave dit diamant. Qui dit diamant dit tu es un kikoulol. Wow! J'ai failli tomber. Donc, on va pas trop explorer ça. Parce que j'aime pas les grottes. Je suis désolé pour les lags, je m'en excuse. Mais si vous voulez, là, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Et c'est reparti dans l'autre sens. Donc je suis désolé, je fais du minage au petit. C'est peut-être un petit peu chiant pour vous, mais bon. Dans toute aventure, on est obligé de passer par du minage. Et on gagne des heures et des heures de minage en faisant comme ça. Vous pouvez voir que j'ai déjà 28 minerais de fer. Je sais qu'en trouvant des cavernes, des trucs comme ça et tout, c'est beaucoup plus rapide. Mais le minage optimisé me permet. Alors, 1, 2, 3. Par contre. Et oui, j'ai fait le kikoulol. Voilà, 1, 2, 3, et c'est parti. Par contre, oui, le minage optimisé, ça me permet d'avoir du diamant plus rapidement, donc économiser de précieuses heures de minage. Donc, je suis désolé, mais on est obligé de passer par là. Là, on va mettre la pioche ici, le pain juste là, et une nouvelle pioche là, parce que elle va bientôt céder. Je peux ranger ceci, je peux ranger ça. Et je mets ça à la place. Et le pain, je vais juste le mettre ici. Ça comme ça. Et c'est reparti. Pouf. Comme ça, vous voyez, ce sera plus rapide à poser les torches. Donc voilà. Je voulais faire un petit concours. Mais je suis pas sûr de pouvoir le faire. Un petit concours pour faire gagner des points PSN. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire là pour l'instant. Mais dès que je pourrai, je vais essayer. Donc vous savez que j'ai du concours qui se prépare sur ma chaîne pour gagner des points PSN de... il y aura du 10, je pense qu'il y aura du 10, du 20. Et du 20, enfin, je verrai, mais... Il y aura plusieurs trucs. Donc pour le premier, il y aura du 50 euros PSN. Pour le deuxième, il y aura un tout petit peu en dessous. Et pour le troisième, un tout petit peu en dessous, mais voilà. Plus ou moins vous faire gagner un petit peu la même chose chacun. Parce que c'est pas parce que vous avez répondu en premier ou en deuxième que vous devez être désavantagé. Mais bon, je peux pas offrir non plus à tout le monde la même chose. Parce que si je devais offrir 50 euros pour 3 personnes, ça me revient à 150 euros. Et on est actuellement en train d'investir dans du Triton, etc. Donc, ça me ferait un petit peu mal aux fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai bloqué l'eau. Est-ce qu'il y a du diamant par ici? Bah oui, le Kiku.
qui tourne et qui pose un bloc en même temps, génial. Bon, voilà, il n'y a pas de diamant, donc on continue. Ah là là, qu'est-ce que c'est chiant, et je vous comprends. Et regardez en haut, à droite, Used Memory. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est la mémoire que mon ordi utilise pour jouer à Minecraft. Et il n'en utilise que 25%. Et je trouve que ça fait beaucoup trop peu. Et j'aimerais bien que ça utilise un tout petit peu plus de mémoire vive pour pouvoir pour tourner. Je sais pas du tout comment faire, donc si quelqu'un sait comment faire, qu'il me le laisse dans les commentaires du Lapis-Lazuli. Bonjour. Donc, j'ai commencé ma vidéo à 20h, il est 20h25, donc je pense que ça fait à peu près 20 minutes de vidéo. Je ne les ai pas senti passer, donc dites-moi si vous voulez des vidéos plus longues. Je suis désolé, je vais arrêter la vidéo là. Vous allez peut-être me haïr, vous allez faire non, mais ça fait pas 20 minutes, n'arrête pas ta vidéo. Je sais pas du tout en fait combien de temps ça fait, j'ai totalement oublié de lancer mon chronomètre. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, donc je l'ai lancée totalement à l'improviste. Je suis désolé, mais on va s'arrêter. Je pense ici, on va rentrer tranquillement à la maison. Je me termine cette petite rangée. Et ben voilà, vous voyez, on tombe sur du fer. Voilà, donc on va terminer rapidement. Non, vous avez vu? Vous avez vu que j'ai failli faire un fail. Donc, j'espère qu'il y aura zéro fail pour cet épisode. Il n'est pas encore terminé, hein. On va tranquillement pas rentrer à la maison, mais on va doucettement rentrer à la mine, enfin à la mine, à l'endroit où je fais cuire mes objets et tout, enfin mes objets non, mais où je fais cuire mes ressources. On va tranquillement y rentrer. Ou alors, je vous propose de terminer cette pioche en fer et d'ensuite arrêter l'épisode. Ok? Moi, je crois que tout le monde est d'accord. Donc on termine cette pioche et on va arrêter cet épisode. Je pense que ce sera déjà assez long. Et puis j'aimerais bien trouver un diamant avant la fin de l'épisode. Zut alors. On va tranquillement rentrer. Je vais poser 2-3 choses à cuire. Je vais poser des choses dans le coffre parce que j'ai du lapis. J'ai beaucoup de choses. Alors, je vous entends tous derrière en train de faire non, stop, va pas miner du diamant tant que t'as pas un enchantement. Mais pour faire une table d'enchantement, il me faut du diamant. Et pour du diamant, je suis obligé de le miner, même sans enchantement. Mais ensuite, je ne minerai plus de diamant jusqu'à avoir l'enchantement chance qui permet d'avoir. Oui, bah pète, tu sais quoi, je suis à 15 km, pète quand même, c'est pas grave. Donc j'attendrai d'avoir l'enchantement chance qui me permettra donc d'avoir 3 fois plus de diamants que si j'avais aucun enchantement. Donc. On va poser tout ça, tac tac tac. Eh bien, je vous propose de retourner miner un petit peu. Désolé pour le bruit de cave. Alors, 1, 2, 3 et 4. On pose une petite torche ici. J'aurais pas dû la poser là parce que je vais la casser, mais bon, c'est pas grave. Donc, on continue à miner. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi tu mines de 3 au lieu de 2? Parce qu'en ayant bien regardé le Minecraft Wiki. Le diamant est toujours positionné de cette manière en fait. Paf, paf, ou paf, paf, ou tac, et tac, ou tac, tac. Donc, en creusant de 3, on optimise largement la durée et puis on a beaucoup plus de chances de tomber sur du diamant. À part un diamant isolé, vous voyez, qui serait vraiment juste ici ou juste là. C'est très 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 rare à trouver, donc je vais pas m'embêter à. Et vous, surtout vous embêter à faire du 2 sur 2 à chaque fois. Ce serait beaucoup trop long, sachant qu'on peut optimiser. Ce serait une totale perte de temps. Je vais ensuite aller. Alors attendez, juste. Pour pas faire de fail avant la fin de cet épisode, j'en ai pas fait pendant l'épisode. Donc pas de fail avant la fin, on va essayer. Oh, allez, vous voyez. Oh, j'entends un zombie qui va venir me pousser très gentiment dans la lave. Donc, on va essayer de terminer cet épisode sans faire de fail. Et je vais aussi. Je sais plus ce que j'allais dire par rapport à la lave. Je sais plus ce que j'étais du. Je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Bon, bah, c'est pas grave. C'est la fatigue. C'est la fatigue. Ma pioche est bientôt terminée.
Donc, on va terminer cette pioche et ensuite je vous mettrai. Enfin, je vous mettrai. Non, je vais faire mon outro. Oui, ça veut dire. C'est l'intro, c'est pour rentrer dans la. Dans le. Comment ça s'appelle? Dans le. Pour rentrer dans la vidéo. Et l'outro, c'est pour sortir de la vidéo. Donc, je vais terminer ma pioche qui est bientôt terminée. 3, 2, 1. Et clac. Non. Attendez, on va juste voir ce qu'il y a ici. Ok, bah il n'y a rien de toute façon. J'aurais fait demi-tour. Donc on va gentiment rentrer. Sur ce, je vous demande vraiment pour ceux qui veulent voir ma chaîne évoluer et puis me voir faire plus de vidéos, je vous demande vraiment de partager ces vidéos sur votre Facebook. Ça prend vraiment très peu de temps et ben à moi ça me fait juste vraiment très très plaisir de voir que vous partagez parce que ça m'aide à me développer, ça aide ma chaîne à se développer, donc ça m'aidera bientôt à avoir mon nouveau PC. Ça m'aide vraiment quand vous faites ça, quand je vous demande de mettre des gemmes et tout. C'est pas juste pour dire ouais, j'ai plein de gemmes et tout, je suis trop content. Non, c'est parce que ça m'aide vraiment au niveau YouTube que vous mettiez des gemmes. Ça m'aide vraiment beaucoup au niveau YouTube, etc. Donc, si vous pouvez prendre le temps de mettre un petit j'aime, de partager cette vidéo et juste de mettre un petit commentaire pour me dire oui, on a bien aimé ta vidéo ou enlève ton F3 ou voilà, franchement, dites-le-moi. Moi, en attendant, ça m'a fait oula, je suis moche avec ça sur la gueule. En attendant, ça m'a fait très très plaisir de recommencer cette petite série. Ça faisait un moment que je l'avais laissée en plan, donc voilà, je vais refaire beaucoup plus de vidéos. Sur cette petite série qui a l'air de vous plaire, ce que j'ai vu dans les commentaires, qui sera bien sûr que j'ai commencé, que je terminerai donc sur la chaîne principale de la Fast Family. Je remercie tous mes abonnés de Fast Orxy, je remercie tous mes abonnés de la Fast Family, les abonnés de la Fast Family qui connaissent pas ma chaîne Fast Orxy. La chaîne sera dans la description de toutes mes vidéos Snowy Island et toutes les vidéos que j'uploaderai sur la chaîne Fast Family, chaîne principale. Donc il y aura la description de ma chaîne dans toutes les vidéos qui seront sur la chaîne principale de la Fast Family. En attendant, je vous dis ciao, à plus pour le prochain épisode de Snowy Iceland. Et oui, je me suis entraîné entre-temps à le prononcer. Allez, ciao tout le monde, bye.